Veuillez vous lever. The International Criminal Court is now in session. L'audience de la Cour pénale internationale est ouverte. Please be seated. Veuillez vous asseoir. Good morning to everyone. Le président, bonjour à tous. Trois petites choses avant de commencer. Tout d'abord, une décision orale concernant la demande de la défense Gbagbo de citer en tant que témoin l'enquêteur du bureau du procureur en ce qui concerne bien sûr les sujets dont nous avons parlé lors de l'interrogatoire de P106. Donc après avoir entendu les parties, la Chambre rejette la demande au motif que la version de l'enquêteur concernant le déroulement des faits et les faits est clairement explicitée dans le rapport versé au dossier. Deuxième question administrative. Il s'agit de la prolongation de la durée de la prolongation d'un délai demandé hier. Je parle ici de l'écriture 798 confidentielle. La Chambre sans s'opposer aux parties et aux participants, autorise la prorogation du délai. Mais j'aimerais quand même que la partie profite de ce délai pour rendre une copie parfaite. Je vous remercie. Ensuite, troisièmement, hier, le témoin a dit certains mots qui étaient assez violents. Alors, voici ce que je tiens à dire aux interprètes de la cabine anglaise. À trois reprises, le témoin a dit qu'il avait entendu des injures. Ta mère, pont, con, tais-toi là-bas. Ta gueule. Et il s'agit donc de la transcription française, pages 26, 15 et 16, ce qui a été interprété en anglais par certains termes que vous trouverez dans la transcription anglaise à la page 60, ligne 25. Le témoin ensuite a dit « Taisez-vous, ta mère con ». Transcript français 93. Ligne 26-27, interprétée en anglais par des termes que vous trouverez au transcript anglais. Et ensuite, dans la transcription française, page 94, ligne 21, le témoin a dit « ta gueule, fermé là-bas, peureux », interprété par « shut up and so on and so forth » en anglais. Alors j'aimerais vraiment dire à cette occasion que l'interprétation en anglais ne semble pas être une traduction littérale. Et les juges ne pensent pas que l'interprétation ne reflète pas fidèlement la force des mots en français. Nous demandons donc aux interprètes d'interpréter littéralement les mots dits par le témoin, sans essayer, je comprends bien, mais sans essayer d'édulcorer. Je comprends bien la bonne intention, mais n'essayez pas d'édulcorer quoi que ce soit. Nous voulons une traduction littérale.
Et n'essayez pas. Et n'avez pas non plus besoin de présenter vos excuses pour avoir traduit des mots insultants. Peut-être que c'est le témoin qui les prononce. Ce qui est important, c'est que ce qui est dit dans le prétoire soit interprété le plus fidèlement possible dans la forme et le fond. Ce qui s'applique donc évidemment aux insultes, aux injures, aux gros mots. Juste pour votre gouverne. Pas besoin de vous excuser. Si le témoin est impoli, si le témoin est grossier, soyez-le aussi. Merci. Monsieur McDonald, merci. Je voudrais quand même être juste envers les interprètes. Je crois que c'était le témoin qui présentait ses excuses, ce n'était pas l'interprète. C'était le témoin qui présentait ses excuses d'avoir à prononcer de tels mots en prétoire. Je me souviens très bien que à plusieurs reprises, c'est le témoin qui a dit « Je m'excuse, je dois dire » et ensuite une bordée d'injures. Le président, oui, je ne veux pas être injuste envers les interprètes. Mais si vous dites par équité, ça veut dire que moi, je ne suis pas équitable. Or, je suis équitable, mais j'essaie juste d'avoir un PV parfait, enfin, dans la mesure du possible. Les interprètes travaillent extrêmement bien, ils font du mieux qu'ils peuvent, c'est difficile, je le sais, mais je tiens juste à répéter cette consigne, je demande aux interprètes d'être grossiers s'il le faut, afin de vraiment refléter ce qui est dit par le témoin. Nous pouvons maintenant poursuivre l'interrogatoire de ce témoin. Monsieur, non, Madame Lucie, faites s'il vous plaît entrer le témoin. Hier, je crois que nous avions commencé l'interrogatoire par la défense de Monsieur Gbagbo. Comme je l'ai dit, ce témoin doit partir ce soir. Et s'il finit un peu avant l'heure prévue, eh bien, j'avertis les personnes concernées qu'il convient de préparer le témoin suivant pour ne pas perdre de temps. C'est juste pour vous donner un peu de visibilité sur l'avenir. Good morning, Mr. Witt. Question, merci. Bonjour, monsieur le témoin. We continue today with... Le président, nous allons poursuivre l'interrogatoire et les questions vont donc être posées par Maître Hochet. Et ensuite, une fois la défense de monsieur Gbagbo... Une fois qu'elle aura fini de poser ses questions, ce sera au tour de la défense de M. Blégoudé. Vous vous sentez bien, monsieur le témoin? Tout va bien? Vous êtes prêt à répondre? Monsieur le président, tout va bien. Ça va très bien. Thank you very much. So I give the... Question, merci beaucoup. Et je donne donc maintenant la parole à Maître Hochet. Maître Hochet, c'est à vous. Thank you, Mr. President. Maître Hochet, bonjour. Bonjour à madame, messieurs les juges. Bonjour, monsieur le témoin. Now, yesterday you Alors, hier, vous nous avez expliqué que vous aviez donné toutes vos notes à l'accusation. Mais il y avait une page qui manquait, vous l'avez remarqué. Il s'agit d'une page des annexes. Or, dans votre déclaration, au paragraphe 60, vous dites au paragraphe 60 ce qui suit. Donc, votre déclaration auprès du bureau du procureur.
En ma présence, les enquêteurs ont sélectionné quelques-unes de ces notes et des photocopies de ces documents figurent en annexe de ma déclaration de témoin. Alors, c'est correct ou c'est incorrect quand ils disent qu'ils ont uniquement choisi certaines notes? Merci, maître. Moi, je les ai remis mes documents. Ils ont choisi ce qui leur paraissait utile et ils m'ont remis. Moi, j'estime que je leur ai donné mes documents. Now, did the... Question. Les représentants du bureau du procureur ont-ils discuté avec vous pour savoir quelle page ils allaient sélectionner? Non, on n'a pas discuté de ça. Ils ont regardé la page, ils ont photocopié et puis ils m'ont remis. On n'a pas discuté, on n'a pas fait de choix sélectif. Well, when you say the question, vous dites nous n'avons pas fait un choix sélectif des documents. Vous voulez dire que le représentant du procureur a tout photocopié, d'après vous? A quoi photocopié tout? En tout cas, la seule page que je vois pas, c'est la page où de l'hôtel que je ne vois pas, mais que j'avais pris soin tout de même de, dans le résumé, de recopier. Et cette copie est là quand même. Did you explain... Mais avez-vous expliqué quel était le contenu de ces documents aux enquêteurs avant qu'ils ne les prennent pour les photocopier ou bien après? Bon, je n'ai pas expliqué ce qui était. Moi, j'ai dit, voilà ce que j'ai appris sur le terrain pendant la communication dans les réseaux. Voilà ce que j'ai appris. Ils ont regardé, bon, on a photocopié, et puis voilà. Je n'ai pas dit, bon, voilà ce qui s'est... J'ai dit, voilà ce que moi j'ai pris. J'ai noté, comme j'ai pris des notes. Je n'ai pas tout noté, mais j'ai pris des notes sur certains réseaux. Que voici, que voici, que voici. Dans les trois réseaux, GR... Police, gendarmerie. Am I to understand you? Question. Alors, si je vous comprends bien, vous ne pouvez pas trouver les originaux. Je cherche, mais je pense que c'est quand j'ai eu des aménagements chez moi, je ne sais pas où j'ai gardé. C'est bon. Et puis, ce dossier, moi, ça fait 6 ans, je n'ai même plus, cherché à voir où c'était. C'est quand chose, on m'a dit que je venais ici, que j'ai commencé à chercher, je ne trouve pas du tout. Mais je reste persuadé que si je pousse à fond, peut-être que je peux les trouver. Now, this one... Question. Alors, cet aspect du document que, d'après vous, vous ne pouvez plus voir. D'après vous, est-ce qu'il s'agit d'un document qui faisait partie de toute la liasse de documents que vous avez donné au procureur, cette feuille qui, vous, d'après vous, manque? Ça faisait pas de mes documents. Hein. Bon, moi, je n'avais pas de documents de préférence. Hein. Il y avait des documents qui étaient là, je n'avais pas de préférence sur les documents. Je prends note et puis
Je laisse là, la main levée, je n'avais pas dit que cette feuille était plus importante que l'autre, non. And this... Question. Alors cette page que vous ne voyez pas, est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'elle contenait? Du mieux que vous pouvez, bien sûr, si vous en souvenez. Cette page dont il est question, c'est ce que j'ai dit que j'ai mis par exemple. Ça y est, sur un de mes rapports, j'ai mis par exemple. Cosmos a dit sur le réseau, appelé un élément lequel je n'ai pas eu l'indicatif, a demandé à un de ces éléments de se rendre à l'hôtel pour récupérer un colis. Et a envoyé ça, il y a un autre indicatif, là, a envoyé ça à cet indicatif et à remettre à Atlas. L'indicatif, c'est... Comme je n'ai pas de document sur place, sous mes yeux, c'est un indicatif de lieu, un indicatif de lieu d'envoyer le colis à cet endroit et à remettre à Atlas, lui faire le compte rendu après sur, au téléphone. C'est ce que ce document, mais c'était en fin de page 20 d'ailleurs. Now, the equipment that... Question. Alors, vous aviez un équipement pour vos écoutes. S'agit-il d'équipement que vous aviez pris auprès de votre lieu de travail? C'est un document que j'avais. Pour l'origine, c'est moi qui sais que j'avais. C'était pas, il suffisait d'avoir un moyen. J'ai dit que j'avais une radio ordinaire. J'avais un équipement, tout le monde écoutait la radio à Abidjan, il n'y a pas que... Donc l'origine, c'était, ça importe peu. Bon, mais il faut dire que cet appareil que j'avais faisait partie des dotations avant. And when you say it was part of... Vous dites que cela faisait partie de la dotation de ce que vous aviez avant. Alors, est-ce que ces appareils, ces équipements, vous les avez pris sur votre lieu de travail? Lieu de travail. So this is equipment. Donc, il s'agit d'appareils que vous avez achetés vous-même. Que j'ai acquis. Je n'ai pas acheté, j'ai acquis cet appareil. Et tout le monde peut... j'ai dit que c'était un réseau qui n'était pas chose. Tout le monde pouvait acheter un appareil, il suffisait d'avoir la bande. Ce n'est pas forcément chose. Non, non, non. But when you say that this was not... Mais... Quand vous dites que vous ne l'avez pas acheté, d'où est-ce qu'il venait? Comment est-ce que vous l'avez obtenu? Par quels moyens? Par des connaissances, par des moyens, des connaissances, que choses qui m'ont, que j'ai pris comme ça. J'ai dit, bon, ben, pour me donner, ça peut être utile un jour, mais je n'ai même pas pensé que ça devait me servir, puisque c'était là. Et évidemment, quand le machin... Quand les événements ont déclenché, je me suis dit, ah, j'ai un poste, je vais voir. Si les fréquences sont toujours là, je vais voir ces choses. Et effectivement, quand j'ai pris le poste, les mêmes fréquences qu'on avait laissées à 10 ans, les mêmes fréquences qu'on avait laissées avec 10 ans, ça fonctionnait. Donc, j'en ai profité pour écouter. When was this equipment? À quel moment est-ce que cet appareil vous a été donné? Oh, ça doit être tout juste après le coup d'État, hein, je crois. Après 89 là-bas. Pardon, 99. Après 99 là-bas.
And who gave? Et qui vous l'a donné? Qui vous l'a donné? C'est moi-même qui j'ai cet appareil. Comme tout le monde avait un appareil. Cet appareil, c'était, j'ai dit tout à l'heure que c'était dans les dotations. Et dans cette dotation, c'était à moi. Quand il y a eu le coup d'État, tout le monde est parti avec son appareil. Aussi bien que moi, comme d'autres sont partis avec leurs armes. D'autres sont partis comme avec leurs armes. Et ça n'a pas été réintégré, ça n'a pas été réclamé non plus. Et ces appareils, nous les avons pratiquement gardés comme des appareils de souvenir. So are you saying that this... Question. Vous nous dites qu'au départ, c'était quand même un appareil qui appartenait à l'État. Cet appareil appartenait à l'État comme les armes que les gens avaient appartenaient à l'État. You are a transmissions officer. Vous êtes officier de transmission, n'est-ce pas? Enfin, vous étiez officier de transmission. Opérateur transmission. Je n'ai pas été officier dans l'armée. Mais j'ai joué le rôle d'officier de transmission. Je n'ai pas été officier. J'ai joué le rôle d'officier de transmission. Was there a Y avait-il un protocole qui devait être suivi? En ce qui concerne donc l'équipement qui était en votre possession lorsque vous l'utilisiez, donc en ce qui concerne l'utilisation de la dotation. Pourquoi? Qu'est-ce qui devait être suivi? Were there rules? Y avait-il des règles à suivre en ce qui concerne la dotation et donc les équipements qui étaient dans la dotation? Et qu'on utilisait sur son lieu, de travail, et que vous utilisiez sur votre lieu de travail lorsque vous étiez opérateur de transmission. Une consigne particulière. On remettait des postes à ceux qu'on estimait qu'ils pouvaient avoir besoin d'utiliser les postes. So was there no rule? Alors, il n'y avait pas de règlement qui interdirait l'utilisation à des fins privées de cet équipement. Règlement, dès que vous quittez, vous réintégrez le poste. Si vous quittez dans des conditions normales, les conditions dans lesquelles les autres sont partis, tout le monde est parti, ce n'est pas des conditions normales. Tout le monde est parti pratiquement avec les équipements qu'il avait sur lui. Donc j'en faisais partie, les équipements on les a pris, on est parti. Mais on ne nous a jamais demandé en retour de venir réintégrer les équipements. Nous on l'avait même classé. Moi c'était pas un truc permanent, on l'avait classé, on ne s'occupait même plus de ça. Donc il y avait des règlements, si tu t'en vas, c'est comme tu déposes tes tenues militaires, tout ce que chose, tu les déposes, tu t'en vas. Si tu as une arme, naturellement, tu les déposes. Mais dans le cas, dans ces conditions actuelles, ce n'était pas ça. Ceux qui sont partis avec les armes, ils ont gardé les armes. Ceux qui sont partis avec quoi, ils les ont gardées. But whatever the political circumstances in the... Enfin, quelles que soient les circonstances politiques dans le pays, en tant qu'opérateur de transmission, n'étiez-vous pas tenu et obligé de rendre cette dotation à l'État? C'était quand même les consignes et les instructions qui vous avaient été données alors que vous travailliez.
êtes là. Ce n'est pas comme ça. Je vais vous dire que c'est vrai. Il faut rendre les armes et autres là. Mais on est parti dans des conditions où après, on va te dire, tu ne peux pas approcher. Et le lieu, tu ne peux même pas t'approcher au risque de prendre une balle. Tu ne peux pas. Donc, vous allez partir faire quoi? Et en plus, même logiquement, en matière de transmission, après un tel événement, le premier rôle de ceux qui animaient ces réseaux devrait changer de fréquence. Mais 10 ans après, je me suis rendu compte que les postes que nous on a à la maison, les mêmes fréquences existaient encore et étaient exploitées. 10 ans après. Now this equipment. Question. Cet appareil que vous utilisiez au départ parce que vous étiez opérateur transmission et que vous utilisiez ensuite, d'après vous, est-ce qu'on aurait pu acheter cet appareil n'importe où? Cet appareil bien précis que vous utilisiez, est-ce qu'on pouvait l'acheter n'importe où? Ou est-ce que vous êtes en train de nous dire que n'importe qui pouvait obtenir ce type d'appareil pour l'utiliser comme vous l'avez utilisé? On pouvait l'utiliser, on pouvait l'acheter à tout moment. N'importe qui pouvait l'acheter. Aussi bien à Abidjan qu'ailleurs, il suivait les choses. Et puis, ces postes-là, ils étaient là, mais d'autres postes B.A.B.A. pouvaient être achetés par n'importe qui sur le marché. Pour se mettre sur la fréquence, hein. Il suffisait de chercher, ce n'était pas compliqué. Il n'y a pas parce que ces postes-là que je parle, qui étaient le seul chose. Non, pas du tout. Tous les postes étaient, pouvaient passer sur ces réseaux analogiques. So the equipment that you... Question. Alors, lorsque vous étiez opérateur transmission, l'appareil que vous utilisiez au sein des forces armées n'était pas plus sophistiqué qu'un appareil qu'on pouvait acheter n'importe où. C'est ce que vous êtes en train de nous dire, le président. Il l'a dit déjà, Maître Chénon, il ne l'a pas prononcé, le président. Enfin, il a dit qu'on pouvait l'acheter n'importe où, ça revient à peu près à la même chose. Enfin, bon, Maître Hochet, oui, moi je suis intéressée par sa réponse et cet appareil bien précis. Donc, Monsieur le Président pense que certaines choses sont implicites, mais dans ce procès, il faut rendre les choses explicites. Le Président, c'est explicite à mon avis. Le Maître Hochet, très bien, je passe à autre chose et de toute façon, votre commentaire est au compte-rendu. Now, when did you... When did you start listening? Quand avez-vous commencé à écouter? FDS. Les forces de sécurité de FDS. Clandestinement, au moyen de cet appareil. Au moyen de cet appareil, tout juste après les élections, après on a annoncé les résultats des élections, la situation sécuritaire devenait difficile. Je me suis dit, je vais écouter. Je vais écouter parce que dans ce pays, il y a eu pas mal de crimes. Je vais écouter parce qu'on ne trouve jamais qui a donné des ordres. Qui a fait chose, si j'écoute, et moi j'entends quelqu'un qui a donné des ordres, je le dirai. C'est ça qui m'a motivé. Peu importe le réseau, je me suis dit, il y a eu tellement de crimes dans ce pays, il est temps d'en arrêter. Et moi j'ai estimé, si j'écoute ce réseau, je pouvais
cibler des donneurs d'ordre, parce qu'avant de tuer, quelqu'un donne des ordres. Et c'est ce qui m'a motivé, premièrement. Deuxièmement, pour ma sécurité personnelle, pour savoir si je dois aller acheter du pain, qu'il n'y a pas de problème, ou bien acheter du sucre, qu'il n'y a pas de problème, je vais en toute tranquillité. Voilà ma motivation. Yes. Witness, I didn't ask. Oui, je ne vous avais pas demandé de me parler de vos motivations. Je vous ai demandé quand le président. Il a dit clairement, il a indiqué clairement quand, et il a poursuivi. Dès le début de sa réponse, il a dit à quel moment. Maître Hochet, monsieur le président, je vous en prie. Il n'a pas donné d'année, il n'a pas donné de date, il a simplement dit que lorsque les choses ont commencé à devenir difficiles, c'est à ce moment-là qu'il a commencé à écouter de sa propre initiative. Et puis, il a commencé à parler d'autres choses qui n'avaient rien à voir avec ma question. Le président, eh bien, c'est pareil. J'essaie de relire sa réponse. C'était juste après les élections, juste après la proclamation des résultats des élections. C'est ce qu'il a dit. Comme il y avait beaucoup de crimes dans ce pays, voilà ce que je peux dire. Les élections ont eu lieu un jour, donc juste après les élections, donc ça nous situe dans un cadre temporel très précis. Maître Hochet, vous avez raison, monsieur le président. J'invite juste le témoin à ne pas ajouter d'autres éléments d'information et de se limiter à la réponse à ma question. Je crois que c'est ainsi que nous travaillons dans ce prétoire. So, are we looking at the month of November? Est-ce que vous parlez du mois de novembre 2010? Mais je parle du mois de novembre après la proclamation des résultats. Si c'est en novembre, c'est donc ça pas de novembre. J'ai commencé. Immediately after. Immédiatement après. Parce que c'est immédiatement après les choses ont mal tourné. And were you listening? Oui. Le président, un instant. I'm sorry, Your Honor. Maître Hochet, je vous prie de m'excuser, monsieur le président. Monsieur le témoin, est-ce que vous écoutiez tous les jours? Chaque jour, enfin, pas tout le temps d'ailleurs, le matin ou bien quand j'ai un bout de temps, je faisais pas ça de une préoccupation. Hein. Je n'en faisais pas une préoccupation. Bon, c'est quand le matin ou bien à midi, dans la journée, quand j'ai un temps libre, j'ouvre le poste et puis j'écoute. Quand il n'y a rien d'intéressant ou bien chose, bon, je ferme, je m'assois pour causer. Il n'y avait pas un truc où j'avais un coin fixe où il restait là 24 heures sur 24, non. Je le faisais occasionnellement. On average, how many hours a week? En moyenne, vous écoutiez pendant combien d'heures par semaine? Deux mois, je ne sais pas, non. Si je totalise l'écoute dans une journée, tout compte fait, ça ne dépasse pas une heure, hein. Parce que quand j'écoute, souvent, c'est 15-10 minutes ou bien chose. Après, je ferme, je chose. Donc, je n'ai pas la totalité de tout ce qu'il disait. C'est quand je viens, j'écoute, je n'ai pas la chose. Je n'en ai pas fait une fixation. And for how long were you doing this? Et vous avez fait cela pendant combien de temps? Jusqu'à ce que tout finisse, jusqu'en avril. So for about 5 months, pendant environ 5 mois, à raison d'une heure peut-être par jour.
Oui, c'est possible. Pendant ce temps, oui, c'est possible. Au moins une heure quand même dans la journée, tout totalisé, quoi, toute une journée. Bon, j'ai fait ça tout juste en avril, jusqu'à ce que les hostilités cessent, enfin, pas hostilités, jusqu'à ces stations-là, la plupart des stations ne marchaient plus, ne fonctionnaient plus. Bon, on a arrêté. Et jusque-là, bon, ça ne fonctionne plus, il n'y a plus rien. Et chaque fois que vous avez fait de l'écoute radio, est-ce que vous avez pris des notes? Oui, bien sûr. Ce qui me paraissait, monsieur, tout ce qui me paraissait intéressant à mon niveau, bon, je notais sur un bout de papier. Vraiment pas. Vous allez voir même dans mes documents, il y a d'autres que quand je notais, je ne mettais pas d'heure. Bon, donc. Je n'en faisais pas un souci particulier. Moi, j'attendais. Quand j'entends quelque chose d'important, c'est ça que j'ai noté, par exemple. So if you were taking notes... Donc, si vous preniez des notes pendant cette période de 5 mois... Comment se fait-il alors que lorsque vous avez rencontré le bureau du procureur, vous ne disposiez que de 2 ou 3 feuilles de papier avec des notes prises à l'époque? 3 ou 4 papiers, bon, enfin, c'est vous qui comptez comme ça. Moi, j'ai pris ce que j'ai. J'ai noté ce que j'estimais que je peux noter. Je peux faire 1 an. Si je note une feuille aujourd'hui, et j'écoute 1 heure, je n'ai pas besoin de noter toutes les heures. Moi, je peux noter 1 jour, je peux même ne pas noter, j'ai peu de choses. Donc, que ce soit 1 an, 1 feuille, 1 an, 1000 feuilles, pour moi, c'est la même chose. C'est la même chose. Si je n'ai pas chose, si j'ai écouté que je n'ai pas noté, comment voulez-vous que je puisse avoir beaucoup de feuilles, non? So the time you met with the office of the... Lorsque vous avez rencontré le bureau du procureur, à ce moment-là, vous n'aviez pas perdu de notes? Non, c'est normal. Quand j'ai croisé le bureau du procureur, mes notes étaient là, je les avais sur moi. Chaque fois qu'on m'invitait, moi, je partais avec les notes. J'avais mes notes, moi, c'était dans une chemise. Et je partais avec les notes. So why is it that these annexes... Comment se fait-il alors que ces annexes, qui sont en fait des photocopies des documents qui ont été photocopiés par le bureau du procureur, ne portent pas les dates correspondant à ces 5 mois, se situant entre novembre et avril? Les papiers que vous avez là où j'ai mis des dates où je n'ai pas mis, tenez compte que moi j'ai mis les dates où j'ai eu l'information. Je n'ai pas d'information à signer, à consigner sur un papier. Je ne mets pas de date pourquoi. Je peux mettre écouter ce matin et attendre demain ou après-demain sans noter. Je n'ai pas de choses. Je ne vais pas dire que je me suis assis pour... noter tous les jours. Non, non, non. J'écoute, je note ce qui m'intéresse. Même si ça doit faire 5 mois, 6 mois, moi, je relève. Dans les 6 mois, si il y a une seule phrase qui m'intéresse, moi, je prends ça, je tiens compte là, et le reste, je note pas. Ce n'est pas que j'étais là à noter. Si je voulais le faire, c'était alors d'enregistrer tout. De chercher un moyen d'enregistrement que je n'avais d'ailleurs pas. Okay.
Merci, Monsieur le Président. Why did you not find the exchanges on the ONG? Pourquoi est-ce que vous n'avez pas trouvé intéressant les échanges sur le réseau ONUSI? Le réseau ONUSI, j'ai constaté que le réseau ONUSI est un réseau qui était pour le personnel, pour leur propre sécurité. Il y avait un événement, ils pouvaient dire aux gens, ou bien si un qui était bloqué à la maison, il appelait, est-ce qu'il peut venir? Bon, c'était leur propre sécurité, ils n'avaient vraiment pas... Il n'avait rien de menaçant sur le terrain. C'était un réseau qui n'avait pas de menaçant. C'était tout juste pour la sécurité du personnel. When you were listening during the crisis, lorsque vous faisiez de l'écoute pendant la crise, est-ce que vous avez entendu parler d'attaques rebelles ou de la part des rebelles? D'attaques rebelles, quand j'écoutais le réseau, d'attaques rebelles en tant que telles, j'ai écouté la date, ça doit être quelque part. Cosmos, je prononce bien Cosmos, il a dit un jour, il y a des gens qui quittaient Adjamé. Je ne sais pas si c'est des rebelles ou quoi, en tout cas, une colonne, au moins une dizaine de personnes. Ils quittaient Adjamé, c'est-à-dire vers le camp, l'état-major, convergeaient vers le plateau. Et ces jours, comme je vous l'ai dit, Cosmos était le gars qui était très, 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 très virulent sur le réseau. Et il avait des éléments qui étaient là, qui lui ont rendu compte qu'il y a une colonne qui arrive. Et c'est en cela, j'ai dit hier, que le réseau GR était discipliné. C'est-à-dire, j'ai dit bien, le réseau GR était discipliné. Ils ont rendu compte à Cosmos. J'ai bien écouté Cosmos qui a dit... Traitez-les tous et vous récupérez les armes. Traitez-les tous et vous récupérez les armes. Voilà, au moins, et je suis persuadé que toute cette colonne a été traitée comme il a dit. So this transmission that you listened to. Donc cette transmission que vous avez écoutée, que vous venez de décrire, d'après ce que vous avez compris, elle concernait une confrontation entre les FDS et les rebelles. On peut le dire ainsi. Mais à mon avis, c'est le jour où des gens ont voulu marcher, venir sur le palais. À mon avis, je pense que cette première colonne devait faire partie de cela. Et je suis sûr à 100% et avec l'ordre que Cosmos a donné, ces gars-là ont été stoppés net. Et je n'ai plus entendu de la part de celui qui fait le compte rendu à Cosmos, je n'ai plus entendu pour dire qu'il y a des gens qui faisaient un mouvement venant d'Adjamé pour aller vers le plateau. Were there other instances where you listened to? Est-ce qu'à d'autres occasions, vous avez écouté des transmissions où il a été fait référence à des rebelles, à des attaques de rebelles? Donc, moi, je ne sais pas qu'est-ce que vous appelez rebelles, qu'est-ce que vous appelez moi. J'ai trouvé, j'écoutais, je n'ai pas de choses. Moi, je sais qu'au plateau, principalement au plateau,
tous ceux qui partaient vers le plateau, ils étaient des combattants qui partaient vers le plateau. Cosmos avait l'attitude de les mettre. Il y avait deux termes, les traiter ou les mettre en position horizontale. Voici les deux termes que Cosmos donnait. Je ne sais pas de qui il prenait ses ordres, mais je veux vous dire que tout ce carré du plateau, Cosmos avait la maîtrise totale. Et il le connaissait parfaitement, point par point, le plateau. Do you have difficulty with the use of the word rebels? Est-ce que l'utilisation du mot rebelle vous pose problème? Puisque vous avez dit que vous ne savez pas ce que j'entends par le mot rebelle, est-ce que le terme rebelle vous embête? Ça ne m'embête aucunement pas. Ça ne m'embête pas du tout. Moi, j'ai dit une chose. Parce que Cosmos donnait les instructions, Cosmos ne disait pas rebelle. C'est pourquoi je dis une chose. Cosmos n'a jamais dit, bon, les rebelles arrivent. Il disait généralement des assaillants. Il n'a jamais parlé des rebelles dans son machin, mais a-t-il dit que les assaillants, il les prononçait. Nous avons des assaillants, nous avons des mouvements de là-bas. Sinon, je n'ai pas de gêne pour le mot rebelle. Non, pas du tout. So if the word rebels was not used. Alors, si le mot rebelle n'était pas utilisé lors des transmissions, il était quasi impossible de dire à quel moment les rebelles étaient impliqués et quand ils ne l'étaient pas, n'est-ce pas? Bon, oui, monsieur, à mon niveau, en ce qui concerne les rebelles, je n'avais aucun moyen de les écouter. Je ne savais pas s'ils avaient un réseau, comme vous dites par exemple. Je ne savais pas qu'ils avaient... Le réseau que moi, je suivais, particulièrement dans les trois réseaux, c'était bien le réseau de la GR, que je suivais particulièrement. Les ordres venant de la GR, je les suivais particulièrement. Ça, je vais vous le dire sincèrement. Mais ma question est la suivante. Lorsque vous écoutiez les transmissions où il était fait référence à des confrontations, vous ne saviez pas quels étaient les indicatifs des rebelles, n'est-ce pas? Oui, monsieur, je ne connaissais pas les indicatifs. Je ne savais même pas. S'ils avaient un réseau radio, je n'en sais rien. Je ne les ai jamais écoutés, je ne sais pas s'ils avaient une radio. Ils peuvent avoir une radio, mais eux, je ne connaissais pas leur fréquence. Je ne connaissais pas. But when you were listening... Mais lorsque vous écoutiez les autorités gouvernementales, lorsque vous écoutiez les FDS, vous ne saviez pas quels indicatifs ou quels codes les FDS utilisaient lorsqu'ils parlaient des armes, n'est-ce pas? Pardon, pas des armes, mais des rebelles. Non, à ma connaissance, ils n'utilisaient pas de code pour appeler. Généralement, c'est le mot assaillant qui arrivait. Et bon, je ne pense pas qu'ils avaient un code spécifique pour identifier les rebelles. Je ne pense pas. Peut-être qu'ils en avaient, mais moi, je n'ai pas eu connaissance de ça. Et dans mes analyses, je n'ai pas pu dire que tel indicatif était là pour les rebelles. Non.
Well, the point is that if a word was used, ce à quoi je veux en venir, c'est la chose suivante. Si un mot est utilisé lors d'une transmission et que ce mot était utilisé pour désigner des rebelles, comme vous, vous ne saviez pas s'il y avait un code pour désigner les rebelles ou ce qu'il était, vous n'en sauriez rien au moment où vous écoutez. Monsieur Demirjian, Monsieur le Président, je pense que cette dernière question invite le témoin à se livrer à des conjectures. D'abord, nous ne savons pas si un code existait pour désigner les rebelles au sein des FDS. Le Président, n'en dites pas plus. Mais Monsieur Demirjian, tout à fait. Maître Hochet, très bien, je passe à autre chose. Now, you say you don't know the call signs. Vous dites que vous ne connaissez pas les indicatifs des rebelles. Est-ce que vous avez jamais écouté une transmission qui aurait pu être une communication entre rebelles, autrement dit, les forces qui étaient opposées au gouvernement de Laurent Gbagbo? Merci, monsieur. Je dis, je n'ai jamais écouté un réseau appartenant aux rebelles, comme vous dites. Je n'ai jamais écouté, je ne sais même pas s'ils avaient un réseau, parce que, à la limite, pour construire un bon réseau de couverture dans une ville comme Abidjan, il faut avoir le site, il faut avoir le matériel. Je ne sais pas si ce que vous appelez les rebelles, ils avaient le temps matériel, le site nécessaire pour aller tranquillement s'installer sur un point haut, étant entendu que tous les points hauts se trouvaient au plateau ou bien à Cocody. Donc, s'ils en ont installé, moi je n'ai pas écouté, je ne les ai jamais entendus, je n'ai jamais entendu un réseau rebelle parler, du tout. Even during the battle of Abidjan. Même pendant la bataille d'Abidjan. Jusqu'au dernier jour, je n'ai entendu aucun rebelle parler sur un réseau. Aucune autorité de cette entité, je n'ai entendu personne. J'étais assis à la maison comme tout le monde, je n'ai jamais entendu. Now, I don't know whether you would consider Commando Invisible. Je ne sais pas si pour vous le Commando Invisible est un groupe rebelle ou pas. Alors je vous pose la question. Qu'en est-il du Commando Invisible? Est-ce que vous avez écouté des communications du Commando Invisible? Merci, monsieur. Je pense que vous m'envoyez dans des endroits. J'ai bien précisé depuis le début que j'ai écouté 3 réseaux. Mais vous m'envoyez sur Commandant Invisible, sur Rebelle. Si je les avais écoutés, rien ne m'empêchait de dire que je les ai écoutés. J'ai dit 3 réseaux. Je pense que ce serait mieux qu'on se limite au contenu des 3 réseaux qui sont l'AGR, la police et la gendarmerie. Il est invisible, comment il va avoir une radio? Moi, je ne sais pas. Before you started listening regularly to... Avant de commencer à écouter régulièrement ces réseaux, est-ce que vous connaissiez déjà les fréquences ou est-ce qu'il vous a fallu les trouver ou est-ce que vous êtes tombé sur ces fréquences par hasard? Bien. Le poste que moi j'avais et que est resté tout le temps chez moi. Ces postes, on avait les fréquences déjà pré-réglées dans ces postes. Mais tout le monde pouvait avoir un poste.
il vous suffisait d'avoir un poste qui est dans les bandes de 140 mégas. Vous tournez, vous tombez sur l'émission, il n'y a pas de problème. Peu importe le poste. Ce n'est pas des postes choses. Ce n'est pas des postes qui étaient sophistiqués. C'est des postes béaba de la rue que tout le monde pouvait payer. Hein? Et même chose, les gens, il n'y avait pas de secret en cela. But you were working as a transmissions operator. Et vous travaillez en tant qu'opérateur transmission depuis des années avant de commencer à écouter clandestinement les communications. Est-ce que les fréquences de ces réseaux n'ont pas changé pour des raisons de sécurité? Pour justement que les gens ne puissent pas écouter. Reprenez ça, les quelles fréquences qui ont changé? Well, the networks that you listen to. Les réseaux que vous écoutiez, celui de la garde républicaine, celui de la police. J'ai dit que le réseau que moi j'ai laissé avant de partir, le réseau police, gendarmerie et GR sont restés sur les mêmes fréquences. À l'exception du réseau, du deuxième réseau UHF de la, que j'appelle UHF de la police, qui lui, il était en UHF et les autres étaient en VHF. Tous ceux qui étaient en VHF sont restés sur leur fréquence. Les UHF, ils avaient une nouvelle fréquence que moi, je ne connaissais pas. Mais on pouvait, puisque c'est des trucs qui n'étaient pas protégés, tu pourrais écouter. Oui, tu pourrais écouter. So these networks that you listen to. Donc ces réseaux que vous écoutiez n'ont pas changé de fréquence. Est-ce que parfois vous cherchiez d'autres fréquences pour voir s'il y avait d'autres réseaux que vous pouviez écouter, ou est-ce que vous ne l'avez jamais fait? Well, at any moment. Un moment ou un autre, lorsque vous écoutiez chez vous, pendant cette période de 5 mois. La période de 5 mois, c'était les 3 réseaux. Je n'ai pas écouté d'autres réseaux, à part quand je cherchais, que je suis tombé sur la fréquence de l'ONUCI, que j'ai écouté, mais quand j'ai vu que c'est un réseau qui, pour leur propre sécurité, qui n'avait rien à voir avec ce qui se passait sur le terrain, ça ne m'intéressait pas, je n'ai pas suivi. Did you have a... Est-ce que vous aviez en place un système pour classer les notes que vous preniez? Non, je n'avais pas de choses. Moi, je prenais une note, je ne faisais pas... Non, je n'avais pas un système. Where did you keep? Où est-ce que vous gardiez vos notes? Président, répétez la question car elle n'a pas été reprise. Maître O'Shea, où gardiez-vous vos notes? Oh, mais les notes, c'était bon, soit chez moi, au chevet de mon lit, hein, généralement, à côté de mon lit. Puis, dans les rangements, là, c'est quand je faisais des aménagements chez moi. Je ne sais pas où ce dossier est parti. Et j'avoue sincèrement que ça me fait très mal de ne pas retrouver ce dossier jusqu'à présent. C'est sincèrement mal. Mais est-il dit que si j'avais pensé un jour que j'allais venir ici, je l'aurais soigneusement gardé. Parce que pour moi, une fois que le calme est revenu, je n'en ai plus fait vraiment un souci. At the time of the... Au moment de la crise,
Est-ce que vous saviez que la Cour pénale internationale existait? Bien sûr, je savais qu'il y avait une Cour pénale qui existait, ce pays qui existait. And at the time of the crisis, et à l'époque de la crise, est-ce que vous étiez conscient du fait que la situation en Côte d'Ivoire pourrait arriver devant la Cour? Bon, je pense que la situation de la Côte d'Ivoire depuis 2002 par là, jusqu'à 2011, tout le monde parlait de ce pays. Tous les politiciens, tous les intervenants, il y avait tantôt des menaces, tel va partout ce pays, on attendait. Ce n'était pas caché, tout le monde parlait. Mais pour en arriver à l'acte, bon, personne ne savait que c'est puisque des fois la situation c'était calme, on voyait que tout le monde était d'accord, mais on n'a jamais pensé que ma foi, ça allait déboucher cette situation. Et j'ai entendu ce pays, j'ai entendu que des gens allaient venir au ce pays ici et ils exagéraient. J'ai entendu. And when you were listening. Et quand vous écoutiez après les élections, est-ce que vous considériez qu'un changement de gouvernement était une possibilité réaliste à l'époque? Est-ce que vous pensiez qu'à un moment donné, Ouattara pouvait arriver au pouvoir? Merci, Monsieur le Président. À mon humble avis, je n'ai jamais douté un instant que Ouattara ne pourrait pas venir au pouvoir. Surtout avec la coalition PDCI, RDR, il n'y avait pas de choses de doute que Ouattara ne pouvait pas être président de la République. C'était sûr, clair et net. And at the time of the et à l'époque de la crise, lorsque vous écoutiez ces transmissions, est-ce que vous pensiez que lorsque ça se produirait, lorsque Ouattara arriverait au pouvoir, les crimes commis en Côte d'Ivoire seraient punis? Est-ce que vous aviez envisagé cette possibilité? Bien sûr, je pense que Ouattara est venu au pouvoir. Je pense qu'il a dit que la justice sera faite pour tout le monde. Bon, je pense que si je suis là aujourd'hui, devant vous, c'est pour justement rétablir cette justice. Donc, je peux affirmer que sous Ouattara, rétablir la justice, ce n'est pas un amusement. Et si je suis là aujourd'hui, justement, c'est pour apporter ma part de vérité sur l'établissement de cette justice pour que justice soit rendue à tous. And at that time, et à l'époque, quand vous écoutiez les transmissions, est-ce que vous aviez envisagé la possibilité qu'un jour, à cause de ce que vous faisiez, vous seriez un témoin pour la Cour? Le président, on est en train de se livrer à des spéculations ici. Maître Ché, il n'y a pas de spéculation. Le président, pensez à ce qu'on pourrait faire un jour, c'est de la spéculation. Maître Ché, ça n'est pas de la spéculation, monsieur le président. Puis-je m'exprimer, monsieur le président? Monsieur le président, oui, oui, mais c'est de la spéculation. Vous ne pouvez pas me dire que ça n'est pas de la spéculation. Pour moi, c'en est. Maître Ché, puis-je m'exprimer, monsieur le président ?
Avec tout le respect que je dois à la Cour, ça n'est pas une spéculation. Je parle ici de l'état d'esprit du témoin à l'époque où il écoutait ces communications. Je ne suis pas en train de spéculer sur quoi que ce soit. J'essaie de savoir quel était son état d'esprit à l'époque. Monsieur Demirjian, je dirais que l'on va au-delà de la spéculation. On n'est plus du tout dans quoi que ce soit de pertinent ici. Ça n'est pas du tout pertinent que de savoir quel était l'état d'esprit du témoin lorsqu'il prenait ses notes. Ce qui compte, ce sont les notes. Le président, le témoin est ici pour parler de faits. Il ne doit parler que des faits, des choses qu'il a perçu, qu'il a vu et sur lesquels il peut témoigner, Maître Chez. Et il est de mon devoir de mettre à l'épreuve ce témoin, ainsi que son témoignage. Et c'est tout à fait pertinent, cet état d'esprit du témoin, à l'époque où il écoutait ses communications radio. Nous avons ici une petite sélection, et je suis désolée de devoir discuter de ceci devant le témoin. Le président, eh bien non, discutez pas, nous savons très bien ce que vous voulez dire. Soyez bref et n'essayez pas de tirer des conclusions sur ce qu'il pense, sur ce qu'il pensait et sur ce qu'il aurait fait. Maître Chez, je vous remercie, monsieur le président. Monsieur le témoin, lorsque vous écoutiez ces transmissions à l'époque, est-ce que vous avez envisagé la possibilité que vous devriez peut-être témoigner devant le tribunal un jour? Non, je n'ai pas pensé que j'allais témoigner. J'ai même pensé que c'était pour faire que j'allais témoigner. Pas du tout. Pas du tout. I didn't want to Le président, je ne souhaitais pas interrompre, mais il ne savait pas qu'il viendrait ici témoigner. Il l'a déjà dit. Je ne vous ai pas interrompu parce que je voulais que le témoin répète, je pense pour la troisième fois, que s'il avait pensé qu'il viendrait ici, il aurait apporté les documents. Donc, il n'y avait pas pensé. Maître Chez, ça c'est une autre question, Monsieur le Président, qui concerne ce qu'il a dit un peu plus tôt. Mais moi, je suis en train de poser des bases avant d'arriver à cette question-là. Et l'intervention de mon éminent collègue et celle de votre personne, Monsieur le Président, pourrait très bien modifier la façon dont ce déclarations se font, parce que mes questions étaient légitimes, elles avaient une raison précise. Et j'ai le sentiment que je n'ai pas eu la possibilité d'atteindre l'objectif que je m'étais fixé.